Buonasera a tutti, sono Rosa Tumolo, direttrice del Giardino dei Libri e questo è il 52esimo webinar gratuito della serie Dialogo con gli autori, un progetto nato nel 2017 con il quale per primi abbiamo creato questo modo di fare, interagire con i nostri lettori attraverso i webinar totalmente gratuiti. Questa sera abbiamo il webinar attesissimo con Lise Barbu che ci parlerà delle 5 ferite originarie e come guarirle per vivere meglio. Bene, di nuovo buonasera a tutti. In questo webinar gratuito abbiamo in collegamento dal Quebec in Canada in diretta un'autrice internazionale, Lise Bourbeau, autrice bestseller con oltre 5 milioni e mezzo di libri venduti. E ciao Lise, buonasera, buonasera Lise, grazie di aver accettato il mio invito e grazie molto anche a te Marianne che sei qui con noi questa sera che fai la traduzione dal francese all'italiano. E voglio Marianne aggiornare Lise sul numero degli iscritti perché siamo oltre a 5.800 iscritti e questo è fantastico. Bene, allora Marianne, io prima di passare la parola a Lise, volevo ricordare che Lise è una donna dinamica che da oltre 40 anni aiuta migliaia di persone a migliorare la qualità della loro vita attraverso libri, conferenze e seminari. E nel 1982, entusiasta di ciò che ha scoperto, ascoltando il suo corpo e desiderosa di aiutare quante più persone possibile, ha trasformato la sua vita per seguire un nuovo percorso. Ha interrotto la sua attività professionale, molto redditizia, e ha creato il suo primo corso. E nel 1987 ha scritto il suo primo libro intitolato Ascolta il tuo corpo e dal 1982 ha tenuto diverse migliaia di conferenze e seminari e ha partecipato a diverse centinaia di interviste radiofoniche e televisive. Lise Bourbeau è autrice di ben 26 libri tradotti in 22 lingue e ha venduto oltre 5 milioni e mezzo di copie. La sua scuola di vita, Ascolta il tuo corpo, è la più grande scuola di sviluppo personale in lingua francese, che ha permesso a oltre 80.000 persone di trovare un significato nella loro vita. E attualmente lei e il suo team, c'è cioè un team veramente molto qualificato, tengono seminari e conferenze in oltre 28 paesi, Italia compresa. Io Marianne spero di aver detto tutto, perché prima di passare la parola a Lise, vi ricordo che potete interagire e partecipare attivamente facendo delle domande relative all'argomento di questa sera, sulle 5 ferite e come guarirle. Potete farlo già da subito, nello schermo, nella parte a destra, troverete una chat dove potete scrivere le vostre domande. Lise risponderà alla fine del suo intervento. E per chi è qui con noi questa sera, abbiamo anche un bellissimo regalo da farvi, però questo lo scopriremo un pochino più tardi. Bene, Marianne, allora io ho fatto un'introduzione, avevamo deciso assieme di non fare da tramite, perché così risparmiamo un po' di tempo e lasciamo il tempo a Lise, giusto, Marianne? Assolutamente sì. Bene, allora io intanto che controllo assieme al mio staff tutte le domande, lascio la parola a te Marianne, che grazie che ci fai da traduttrice, e lascio la parola a Lise, ok? Ok, Bene, on commence. ci vediamo fra un pochino. C'est mon tour? Tout à l'heure, c'est ton tour. Alors, bonjour à tous. Je suis bien heureuse aujourd'hui de venir parler des blessures parce que c'est un sujet que j'adore, que je tiens beaucoup à cœur, là.
Buongiorno a tutti, sono molto felice di parlarvi del soggetto delle cinque ferite perché veramente è un soggetto che mi sta a cuore. Je travaille avec les blessures depuis plus de 25 ans et quand j'ai appris, j'ai entendu parler de ça pour la première fois, c'était dans le cadre d'une formation pour aider à reconnaître les blessures, mais dans une consultation privée. Lavoro con le ferite da 25 anni, ma la prima volta che ne ho sentito parlare era durante un consulto privato. On nous montrait à toucher à des parties du corps différentes, puis ça faisait activer certaines blessures. Ci insegnavano a toccare certi punti del corpo e questo risvegliava delle ferite. Alors, moi, pour moi, comme avec ma tête à synthèse, qui aime beaucoup enseigner puis tout partager ce que j'apprends, je me suis dit, il faut que je transforme ce que je viens d'apprendre pour pouvoir enseigner ça aux gens. Con la mia testa, che è molto abile a fare le sintesi, mi sono detta, io adesso devo fare una sintesi per insegnare alle persone tutto quello che sto imparando. Alors, j'ai fait des tests quand même, ben, on a plus quelques années à vérifier avec mes amis, ma famille et tous les blessures pour, afin de préparer ça. Puis finalement, j'ai commencé à enseigner les blessures dans un des ateliers d'écoute ton corps. Ho cominciato a fare tutti i test con amici, familiari e conoscenze. Ho fatto tutti i test su queste ferite e ho cominciato ad ascoltare il tuo corpo a insegnarle. Alors, mon premier livre sur les cinq blessures a été, je l'ai écrit il y a 20 ans, en l'an 2000, qu'il est sorti. Et puis, je suis sûre qu'il doit en avoir déjà plusieurs qui l'ont, là. Ho scritto il mio primo libro sulle cinque ferite nel 2000, dunque 20 anni fa, dunque molti di voi lo devono aver letto. Ma depuis que je l'ai écrit, j'avais beaucoup de personnes qui me disaient oui, Lise, c'est intéressant les blessures, mais comment on guérit les blessures? Puis je disais, ben lisez le dernier chapitre, le chapitre dans le livre, ça parle de guérison. La gente però mi diceva, ok, hai scritto tutto questo sulle cinque ferite, però come facciamo a guarirle queste cinque ferite? E io continuavo a dire, ma leggete l'ultimo capitolo, lì è spiegato come guarirle. E je me disais, comment je peux écrire tout un livre juste sur la guérison, mais j'avais tellement de demandes que finalement ça m'a pris 15 ans plus tard, j'ai décidé d'écrire un livre sur la guérison des blessures. Perché mi dicevo, ma non posso scrivere un libro unicamente sulla guarigione, ma c'era una tale richiesta che dopo 15 anni è quello che ho fatto, ho scritto il secondo libro sulla guarigione delle ferite. Donc, comme il y a 15 ans d'écart entre les deux livres, pour les personnes qui ont déjà lu mon premier livre, j'aime mieux vous dire que c'est important de lire d'ailleurs le premier livre avant le deuxième, parce que je ne peux pas tout répéter, mais je peux vous dire qu'il y a des choses qui sont différentes parce que j'ai appris beaucoup de choses entre-temps, mais c'est ce qu'il y a dans le deuxième livre qui est la bonne version. Siccome ci sono 15 anni fra il primo e il secondo libro, non potevo ripetere nel secondo tutto quello che ho scritto nel primo, dunque è importante leggere prima il primo, però nel secondo ci sono delle cose un po' diverse perché ovviamente in 15 anni ho imparato nuove cose, certe cose sono cambiate. Et c'est sûr que je fais une révision, là, un survol de chaque blessure pour commencer ce deuxième livre, mais j'ai voulu appuyer davantage sur des choses pour aider la guérison parce que je me suis rendu compte que le masque qui causait le plus de problèmes, c'était la blessure qui causait le plus de problèmes, c'est la blessure de rejet. Allora, ho fatto una piccola sintesi, ovviamente, di ogni ferita, ma ho voluto sviluppare sulla ferita di cui la maschera è la più dolorosa ed è la ferita da rifiuto. Mais je vous rappelle que c'est pas la situation de rejet, c'est pas parce qu'une personne nous rejette que c'est pour ça qu'on souffre. La souffrance vient toujours lorsqu'on met un masque. C'est pour ça que dans le livre, je fais bien une différence entre la blessure et le masque.
Il fatto di essere rifiutato non è questo che fa la ferita. La ferita è definita perché uno indossa la maschera ed è proprio di questa maschera di cui si parla nel libro, queste maschere. Parce que si on fait juste vivre une situation de rejet, comme par exemple, j'ai une amie qui a réuni toutes les amies de femmes, là on est plusieurs amies de femmes qui se rencontrent de temps à autre, et puis j'apprends qu'elle avait fait une fête, elle ne m'a pas invitée, donc vous voyez, je me suis tout de suite sentie rejetée. In una situazione di rifiuto, per esempio, mi è successo, una mia amica ha fatto una festa, un raduno fra donne e non mi ha invitata e io mi sono sentita rifiutata. Alors, c'est pas ce qu'elle a fait qui me blesse. C'est quand tout à coup j'ai commencé à me dire, ben qu'est-ce qui se passe? Elle m'aime plus, je suis plus son amie, comment ça fait qu'elle m'a pas invitée? Alors tout ce travail mental qui vient de l'ego, c'est ça qui fait souffrir, c'est ça qu'on appelle porter un masque. Il fatto che lei non mi abbia invitato non è questo che è doloroso. Quello che è doloroso è tutto quello che io ho messo in opera nella mia testa e non valgo niente perché non mi vuole più bene, ma cosa è successo? Dunque tutto questo film è la maschera. Allora, c'est sûr que dans mon cas, ça n'a pas duré longtemps parce que c'est pas long que j'ai réalisé, oh, là, je viens de me faire avoir. Là, ça, c'est mon ego là, qui a pris le dessus. Alors, j'ai tout de suite pris le téléphone, j'ai appelé mon ami, je lui ai demandé, ben, je viens d'apprendre que tu as fait une fête et puis que tu ne m'as pas invité. Fait, je dis que je me suis sentie mal, puis j'ai partagé ce que je vivais. Puis là, elle me dit qu'elle était convaincue que j'étais partie en voyage. Vous voyez, elle ne m'a jamais rejetée. Quando io ovviamente adesso è molto più rapido per me questo dolore, però l'ho chiamata e ho voluto condividere con lei dicendo che perché non mi aveva invitato, come mi ero sentita e poi è venuto fuori che lei non mi ha invitato perché era convinta che io stavo in viaggio. Dunque vedete, è proprio come io ho interpretato la cosa. Allora, on va toujours avoir des situations de rejet, d'injustice, d'abandon et tout ça, mais toujours vous souvenir que plus vous allez apprendre à les gérer, à mieux accepter, c'est ça qui vous aide à les guérir, ça veut dire que ça dure de moins en moins longtemps la souffrance, puis ça vient de moins en moins souvent. Perché le situazioni di abbandono, di tradimento, di giustizia, ce ne sono tante e la guarigione è poterle gestire e soffrire così il meno tempo possibile. Et puis j'ai profité justement de ce livre sur la guérison des blessures pour parler beaucoup plus du déni qu'on fait à cause de la blessure de rejet. E ho approfittato in questo libro di approfondire la questione del disniego che facciamo della ferita da rifiuto. Puis pour les personnes qui ont lu le premier livre, si vous vous demandez, ben moi, c'est quelles sont mes blessures que j'ai, je vous rappelle que nous avons tous les quatre blessures à l'exception de la blessure d'humiliation. Donc, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête, vous allez vous retrouver dans ces quatre blessures-là, mais on les a pas toutes au même degré. C'est ça qui est la différence. Molti mi chiedono, ah, ma qual è la mia ferita, cos'è che viene fuori? Non vi preoccupate, tutti quanti abbiamo le quattro ferite. Poi c'è qualcuno che ha anche quella d'umiliazione, ma tutti hanno le quattro ferite. Dipende solo a che grado se ne sviluppa una più di un'altra. Parce que en cours de route, dans les 15 ans entre les deux livres, je suis devenue consciente, hein, comme je vous ai dit, de l'importance, à quel point on se sent rejeté, on ne le sait pas, là, et à quel point c'est la cause de la blessure de rejet qu'on vit des maladies importantes. Poi sono accorta in tutti questi anni a che punto la ferita da rifiuto è dolorosa, quanto andiamo giù dei pezzi grossi ed è questo che fa che ci ammaliamo. Alors c'est pas vraiment la blessure de rejet là, qui cause les maladies, mais c'est le déni qu'on fait à cause du rejet, parce que c'est la partie qui sent rejetée qui va vouloir mettre le couvercle sur les choses. Comme dans l'exemple que je vous ai donné, si je m'étais fait croire, oh, ça ne me dérange pas, de toute façon, j'en ai plein d'amis, puis ça ne m'aime pas, c'est son problème. Tu sais, j'aurais pu juste mettre le couvercle dessus, puis pas pour faire semblant que ça ne me dérangeait pas.
Non è tanto la ferita in sé che crea la malattia, ma il disniego che uno fa sopra, quel coperchio che si mette sulla pentola. Io avrei potuto benissimo dire, vabbè, ma a me tanto che mi importa, ho tanti amici, me ne posso trovare un altro, e far finta di niente. Ed è lì che si crea la malattia. Alors, quand j'ai décidé d'écrire ce dernier livre sur la guérison, c'est parce que j'ai réalisé à quel point toutes les blessures, quand elles sont activées puis qu'on porte un masque, c'est toujours, toujours parce que l'ego prend dessus. On sait plus notre cœur qui parle, c'est notre tête avec toutes les peurs, les culpabilités, la colère, et c'est toujours l'ego. Donc, c'est le livre où je parle le plus de l'ego. J'ai 45 pages juste sur l'ego pour que vous sachiez quand est-ce que votre ego est à l'œuvre. In questo libro parlo per 45 pagine dell'ego, perché è proprio l'ego che porta e ci manda tutti questi pensieri e le paure e le rabbie e tutti questi pensieri che tornano e rimangono attivi. Ed è proprio l'ego che porta a stare male. Parce que dans le libro je parle de 12 façons che je considero che sono le più courantes là. Que les différentes façons que l'ego se manifeste, donc quand on critique, quand on ment, quand on justifie, enfin. Puis parce que si vous ne savez pas que c'est votre ego qui est à l'œuvre, bien vous ne pouvez pas être conscient de votre blessure. Si vous n'êtes pas conscient de votre blessure, comment vous pouvez la diminuer ou la guérir? Se non siete consapevoli che è proprio l'ego che viene, che vi porta tutti questi pensieri di paure, di rabbia, tutte di queste emozioni, se non sapete che è l'ego e pensate che siete voi, non avete i mezzi per poter guarire queste ferite. Je sais que moi, en tout cas, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé de travailler sur mon ego parce que j'en suis devenue consciente après m'être divorcée de mon premier mari. Fait que j'avais plus de 40 ans, j'ai commencé à vraiment travailler sur l'ego et toutes les prises de conscience que j'ai faites qui m'ont aidé à me prendre en main font qu'aujourd'hui, ben, je suis rendue à 79 ans, puis on dirait que j'ai encore plus d'énergie parce que j'ai récupéré toute mon énergie naturelle. Ho cominciato a rendermi conto, a essere consapevole dell'ego. Al momento avevo 40 anni e mi sono separata da mio marito. Ed è lì ho cominciato a fare tutte le consapevolezze sull'ego e su tutto quello, l'energia che prende. Oggi ho 79 anni e ho ancora più energia, sempre di più, perché riesco a rendermi conto che è l'ego e non sono io. Comme j'ai été mariée pour mon premier mariage, j'ai duré 15 ans, puis pendant 15 ans, j'ai essayé de changer mon mari, hein, fait que ça s'appelle être contrôlant, hein, vous connaissez ça un peu, et je le jugeais, je le critiquais, puis pourtant, je l'aimais, mais tu sais, mon ego était tellement fort que j'étais convaincue que c'est moi qui détenais la vérité. Per 15 anni io ho provato a cambiare mio marito. Ero convinta che se lui cambiava sarebbe andato tutto bene, ma mi rendo conto che era l'ego che voleva che lui cambiasse. Puis finalement je me suis dit bon ben ça il semblerait que les hommes ça peut pas changer donc je vais le laisser, je vais être mieux seule qu'avec un mari qui passe son temps toujours répéter les mêmes choses et je l'ai laissé en croyant encore que c'est moi qui avais raison. Allora mi sono detta, visto che lui non cambia e tanto non c'è niente da fare, che lui rimane sempre sulla sua posizione, ho cambiato marito assolutamente convinta che avevo ragione di cambiare. Alors c'est entre les deux maris où j'ai fait plein de prises de conscience, où j'ai commencé à écouter ton corps, c'était plein de révélations pour moi. Alors c'est pour ça que j'ai des 8 ans entre les deux. Et quand j'ai décidé de me remarier, maintenant, ça fait 38 ans avec le deuxième, puis c'est une relation vraiment extraordinaire. Ci sono stati 8 anni fra il mio primo marito e il mio marito attuale e durante questi 8 anni ho fatto un sacco di prese di coscienza e questo mi ha permesso che adesso col mio marito attuale sono 38 anni che stiamo insieme ed è una relazione straordinaria. Puis je vois aussi beaucoup de changements dans ma vie professionnelle parce que j'ai toujours été patronne depuis l'âge de 25 ans que j'ai du personnel qui travaille pour moi.
Et avant ça, il fallait, tu sais, avec ma bonne blessure d'injustice où je veux que tout soit parfait, et ma blessure de trahison où je veux que tout soit fait à ma façon, puis quand je veux, puis comme je veux, je vivais beaucoup d'émotions, hein, fait que je perdais de l'énergie à vivre des colères, puis des désappointements sans arrêt. Io sono imprenditrice dall'età di 25 anni e con la mia ferita da ingiustizia, in cui tutto deve essere perfetto, con fare tante cose, e la mia ferita da tradimento, in cui le cose devono essere fatte a modo mio, quando voglio io e lo devono fare subito, questo mi faceva vivere un sacco di rabbia, un sacco di emozioni. Puis maintenant, je peux te voir avec Écoute ton corps. Ça fait depuis 37 ans que j'ai commencé Écoute ton corps. Et puis, ce n'est que du bonheur. Toujours, ça va bien. On a toujours des bonnes relations. Puis, tu sais, les gens, on est capable de se parler. Puis, j'ai ma fille et son mari qui aident à diriger la compagnie. Alors, c'est pour ça que c'est une compagnie qui a été basée sur les normes de l'amour puis de l'acceptation. E sono 35 anni che sto ad ascolta il tuo corpo, ed è sono tutte relazioni di benevolenza, di amore, va tutto bene, è tutto gradevole, e ci lavora anche mia figlia con mio genero, e tutte le situazioni sono assolutamente tranquille e gradevoli. Puis, ce qui m'ha beaucoup surpris, c'est que avant l'âge de 40 ans, j'avais jamais vu que toutes les colères, les émotions, les culpabilités que je vivais, là, c'était toujours à cause de ma blessure de rejet, qui était dans le fond. OK, peut-être ma blessure d'injustice était activée ou trahison, mais tout à coup, quand j'allais plus loin, je voyais bien que je me sentais rejetée ou j'avais peur d'être rejetée ou je me sentais coupable parce que j'avais rejeté quelqu'un. Que le rejet était toujours en dessous, caché derrière les autres blessures. Fino all'età di 40 anni, tutte queste emozioni che vivevo, tutta questa rabbia che mi rosicava proprio, mi sono accorta che era dovuta alla ferita da rifiuto. Anche se sopra c'era quella di giustizia che mi faceva fare un sacco di cose, ma sotto era questo dolore della ferita da rifiuto. Puis, je me souviens quand, à un moment donné, j'avais partagé à mes sœurs qu'il était arrivé une situation où j'étais partie, puis encore, ils avaient fait une fête pour mon papa, là, puis ils n'ont pas attendu que je revienne de voyage, puis je leur ai partagé que je m'étais sentie rejetée, puis ils étaient tous surpris. « Ah, toi, la blessure de rejet, on dirait toujours que tu as beaucoup confiance en toi et tout. » Ça fait que faut pas se fier aux apparences, hein, parce que surtout quand on a une blessure d'injustice, on est rigide, hein, fait qu'on est capable de donner des bonnes apparences. È successo di nuovo una festa in famiglia per mio padre e non mi avevano invitata. E io sono andata a dire, ma mi sono sentita rifiutata, e mi hanno detto, ma come? Te ti senti rifiutata? Ma come è possibile? Alors, c'est pour ça que dans ce nouveau livre-là, suite à tout ce travail que j'ai fait sur moi, puis avec beaucoup, beaucoup de participants d'Écoute ton corps, j'ai découvert plein de moyens pratiques, concrets pour amoindrir les blessures que vous allez découvrir qui sont inclus dans ce nouveau livre. Perché, per continuare di prima, era tutta apparenza, perché sopra la ferita da ingiustizia nasconde la sofferenza dalla ferita da rifiuto. E j'ai perdu il dernier morceau. Je me souviens plus. E comunque questa ferita da rifiuto è quella che è più profonda ed è quella che fa più soffrire e che rimane e che sta sotto lì nascosta. Oui, parce que c'est sûr que le moyen par excellence, pour ceux qui connaissent mon enseignement, vous savez que c'est devenir conscient. C'est pour ça qu'en étant conscient que c'est votre ego, ça vous aide. Déjà, au moins, on sait que là, il y a une blessure qui est activée. Puis ensuite, la première chose à faire, c'est se donner le droit d'avoir encore des blessures, puis d'être encore une personne qui est en réaction. E nel momento in cui ci rendiamo conto che è l'ego che ci fa soffrire, la prima cosa da fare è concedersi il diritto di vivere queste emozioni, essere consapevoli di quello che succede dentro di noi. Puis aussi,
Je veux préciser quelque chose d'important parce que j'ai toujours cette question-là à chaque fois que je parle des blessures. Est-ce que ça prend beaucoup de temps avant de ne plus avoir des blessures? Est-ce qu'on peut arriver à toutes les guérir? Ça ne marche pas comme ça, non? Ho spesso questa domanda. Allora, ci vuole molto tempo per guarire tutte le ferite? Come si fa? No, non funziona così. Tant et aussi longtemps qu'on est des humains, il va toujours y avoir des situations dans notre vie où est-ce qu'on va avoir l'impression de vivre de l'injustice, du rejet, de l'abandon, de l'humiliation et de la trahison. Il va y avoir des situations, mais ça dépend toujours comment on le perçoit. Fait que si je le perçois avec mon ego, je vais souffrir. Mais ce qui arrive en travaillant sur soi, c'est que on a des situations, mais le masque est porté de moins en moins souvent. Tu sais, on est de moins en moins en réaction. Perché quello che succede nella vita di tutti i giorni, si presentano a noi un sacco di situazioni di rifiuto, di tradimento, di ingiustizia, ce ne sono sempre che ci incontriamo, ma sta a vedere noi come reagiamo, se indossiamo la maschera o no, ed è proprio questo che fa il dolore. Parce qu'on, au fur et à mesure que les blessures, ça veut dire qu'on a l'impression que les blessures diminuent, mais c'est parce qu'on souffre de moins en moins souvent, on met plus notre masque. Bien là, on retourne à notre être naturel, on redevient nous-mêmes. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre « Les blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes ». On veut revenir à nous-mêmes. Noi, guarendole, mettiamo la maschera molto meno spesso e per poco tempo. Dunque è questo che porta, diciamo, verso questa guarigione. Impariamo a gestire questa ferita e questo viene spiegato appunto nel libro, come mettere meno la maschera per meno tempo e come imparare ad accettarlo. Allora, c'est ça, je termine mon livre avec ça, c'est comment on revient soi-même, on redécouvre nos qualités, nos forces et tout. Ed è così che finisce il libro, che come noi ridiventiamo noi stessi, come andiamo a ritrovare le nostre qualità, i nostri talenti. Parce que je sais que je parle souvent d'acceptation et tout, mais pour moi, c'est l'atelier idéal pour apprendre c'est quoi vraiment accepter quelque chose dans notre vie puis qui nous aide dans nos blessures. C'est l'atelier Être bien qui est mon atelier de base, écoute ton corps, parce que ça c'est là où on va chercher la notion de base pour toutes les choses qui nous arrivent dans notre vie. Perché parlo di accettazione che è alla base proprio della guarigione, ma per questa accettazione c'è proprio un seminario che è il seminario di base che si chiama Essere in armonia con se stessi e con gli altri, dove proprio vengono insegnate tutte le nozioni sull'accettazione. Ok, allora on va terminer là-dessus, je vais laisser du temps pour quelques questions. Qui terminiamo qui e adesso c'è un po' di tempo per chi ha delle domande. Bene, grazie Liz per il tuo intervento. È stato davvero illuminante, grazie per questa opportunità che ci hai dato. Passerei subito alle domande. Allora, ne sono tante. Allora, praticamente iniziamo con Linda. Linda domanda, mi chiedevo, possiamo guarire definitivamente dalle ferite o dalla nostra ferita o rimane traccia? Est-ce qu'on peut guérir définitivement d'une blessure, di una ferita o, non ho sentito la fine? Allora, mi chiedevo, possiamo guarire definitivamente dalle ferite o dalla nostra ferita o rimane traccia? Est-ce qu'on peut guérir définitivement d'une blessure ou est-ce qu'il y a des traces qui restent de la blessure? Non. En ce qui me concerne, ça va prendre encore plusieurs vies avant de ne plus jamais avoir aucune réaction. Secondo me, almeno nel mio caso, ci vorranno diverse vite per non avere più nessuna reazione. Bene, allora passiamo con Maria Letizia. Le dipendenze in generale da che cosa nascono?
Les dépendances, elles naissent de quoi en général? D'où viennent les dépendances? Les dépendances, tout le monde a des dépendances. Ça ne veut pas dire que, c'est pas parce que dans la blessure d'abandon, on dit que quand on porte le masque, il s'appelle le dépendant, ça ne veut pas dire que ces gens-là ont plus de dépendances. On a tous des dépendances dans la vie qui peuvent être liées à différentes blessures. Abbiamo tutti delle dipendenze nella vita, non è perché c'è la maschera del dipendente, della ferita d'abbandono, che solo lui ha le dipendenze, tutti quanti abbiamo delle dipendenze. Pourquoi on en a tous? Parce que la dépendance, le degré de la dépendance nous indique le degré de manque d'amour qu'on a pour soi. Noi abbiamo delle dipendenze perché la dipendenza è un campanellino che ci informa qual è il grado di mancanza di amore che abbiamo per noi stessi. Alors, pour ça qu'une personne qui a, disons, une grosse blessure de rejet, qui se rejette dans tout, là, il s'aime pas du tout, cette personne-là s'aime pas du tout, elle va peut-être avoir des plus grandes dépendances, comme la dépendance à la drogue ou alcoolique, plus de dépendance de toutes sortes. Ça va toujours avec nos blessures. Per esempio, la ferita da rifiuto può avere delle grosse dipendenze, per esempio, con la droga. Alors, sachez que quand vous êtes en train de devenir moins dépendant d'une substance ou moins dépendant d'une personne, c'est bon signe parce que ça veut dire que vous êtes en train d'apprendre à vous aimer davantage. C'est la seule raison pour laquelle on est sur la planète Terre, apprendre à s'aimer. E quando cominciate a rendervi conto che siete sempre meno dipendenti, questo vi insegna che state andando verso voi stessi. In fondo, è il motivo per il quale siamo sulla Terra, imparare ad amarci. Grazie Liz per queste tue risposte, sono molto contenta perché vedo che oltre alle tante domande che stanno già arrivando tanti complimenti per te e per la serata, e scrivono che parecchie persone che sono felici che tu sei qui con noi questa sera nel nostro webinar del Giardino dei Libri, e questo mi fa molto molto piacere. Il y a beaucoup de messages de personnes qui sont très contentes et qui te remercient d'être là ce soir à ce webinaire. Merci. Bene. Grazie. Passiamo con Sabrina. Sabrina domanda: come si può guarire dalla ferita d'abbandono per non respingere più l'amore? Comment on fait à guérir de la blessure d'abandon pour ne plus repousser l'amour? Pour ne plus repousser l'amour? Oui, rejeter l'amour, repousser l'amour. Je vois que vous faites comme tout le monde depuis que je parle de blessure. Vous voulez tout guérir vite, vite, vite une blessure, hein? Vedo che da quando sto parlando delle ferite volete tutti guarire il più presto possibile da queste ferite. C'est la même chose qu'une personne qui a 200 kg à perdre e voudra perdre ça en un mois. È la stessa cosa, una persona che ha 200 kg da perdere, a lei le vuole perdere in un mese. On peut pas. Donnez-vous du temps, ça fait des vies, ça fait des milliers d'années que les humains accumulent, grossissent les blessures tout le temps d'une génération à l'autre, d'une vie à l'autre. Donc maintenant, on a des moyens pour aller dans l'autre direction, mais il faut se donner le temps puis le faire peu à peu. Datevi il tempo, sono 2000 anni che ci accumuliamo vita dopo vita queste ferite. Per curarle ci vogliono vite intere, dunque prendiamoci il tempo e concediamoci il tempo di farlo. Puis pour y arriver là, il faut que vous preniez une décision. Moi, je décide aujourd'hui de changer mon comportement et mon attitude pour ne plus revivre les mêmes choses qu'avant. Parce qu'il y a des gens qui ne changent rien et pensent que la vie va changer parce qu'ils ont changé de compagnon. Il faut que vous changiez quelque chose en dedans de vous. Per guarire le ferite dovete prendere la decisione di cambiare il vostro comportamento, perché molte persone cambiano marito, cambiano compagno o cambiano qualcosa all'esterno e poi sono sorprese che non cambia nulla, che rimane tutto uguale. È proprio dentro di sé che va cambiato il comportamento.
et l'atteggiamento. Puis une fois que vous vous êtes pris en main, ben là, prenez le temps là, régulièrement, je sais pas moi, tous les mois, tous les 6 mois, dire est-ce que ma vie va mieux maintenant que ça allait il y a 6 mois ou il y a 1 an? Si vous dites que ça va mieux votre vie, vous savez que vous êtes dans la bonne direction. Où est-ce que ça va vous mener? Le travail que vous allez faire dans cette vie-ci, ça va, mais juste vous dire au moins je suis dans la bonne direction, puis ça prendra le temps que ça va prendre. Quando cominciate a fare questo cambiamento dentro di voi, di tanto in tanto, ogni 6 mesi per esempio, ponetevi la domanda: come stanno le cose nella mia vita? Stanno meglio? Come mi sento? Mi sento meglio? E se la risposta è sì, vuol dire che siete sulla buona via e che c'è da continuare. Bene. Grazie, mi viene da dire solo accettando veramente ciò che siamo, ogni ferita potrà a poco ridursi, giusto? C'est bien en acceptant petit à petit qui on est que les blessures vont réduire petit à petit, c'est ça? C'est bien ça, oui, c'est ça. Exactement. Est-ce qu'autrement, si on veut aller trop vite, là, on voudrait que ça se passe tout de suite, ça c'est du contrôle. Fait qu'on est encore en train d'alimenter notre blessure, on grossit notre blessure plutôt que la réduire si on veut laisser son contrôle. Se vogliamo andare in fretta, quello che attiviamo invece è semplicemente il controllo e per cui peggioriamo le ferite con il controllo. Bene, grazie. Ho fatto una piccola introduzione, Marianna, ma non voglio portar via le domande dei nostri partecipanti. Allora, Angela domanda: ad ogni ferita principale corrisponde un particolare aspetto fisico. Mi piacerebbe sapere cosa succede al corpo quando si comincia a guarire dalla ferita principale. Chaque blessure se reconnaît dans le corps. Je voudrais savoir, quand on commence à guérir la blessure principale, qu'est-ce qui se passe dans le corps physique? Oui, il y a beaucoup de personnes, je dirais plus de personnes, qui ont des changements dans leur corps physique. Mais il y a certaines personnes qui n'ont aucun changement dans leur corps physique, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gros changements à l'intérieur d'eux. Tu sais, comme par exemple, supposons qu'une personne, elle a un corps trop gros, elle se trouve trop grosse, cette personne-là, pour ce qu'elle pense qui serait parfait, mais peut-être que ça fait partie de son plan de vie d'apprendre à s'accepter en ayant un surpoids. Et si elle est en bonne santé, énergique, elle est capable de faire tout ce qu'elle veut dans sa vie, bien, qui dit que c'est pas bien d'avoir un peu plus de poids? Vous savez, quand elle va mourir, là, cette personne-là, là, son âme, là, ça ne fait pas de différence où elle va dans le monde de l'âme quand même qu'elle aurait 20, 30, 40 kilos de trop. Tu sais, c'est ça, il faut apprendre à regarder qu'est-ce qui est important. Mais si le corps change, bien, le corps, il change, c'est tout. Mais... Certe persone hanno dei cambi del fisico, ma certe persone hanno il corpo che rimane uguale. Però questo non significa che dentro non c'è stato un cambiamento maggiore. Per esempio, certe persone possono avere 30-40 kg in troppo, ma se stanno bene e che possono fare quello che vogliono nella loro vita e che non è un intralcio, il loro corpo rimarrà così, che nel momento in cui muoiono, che hanno 20 kg, 30 kg in più, la loro anima non fa nessuna differenza. Dunque non è ovvio che il corpo per forza deve cambiare. Bene, grazie di nuovo e passiamo a Giovanna. Abbiamo scelto questa domanda sui bambini. Allora, Giovanna domanda: anche i bambini hanno delle ferite o solo noi adulti viviamo con le ferite? Est-ce que les enfants aussi ont des blessures ou les blessures sont exclusivement des adultes? Ah non, on vient au monde avec des blessures, ça c'est sûr. Un bébé qui a une grosse blessure de rejet ou d'abandon, il ne vit pas son monde, sa vie de bébé comme l'autre à côté. Mais dans le corps, on ne voit pas définitivement aussi bien leurs blessures tant et aussi longtemps que le corps n'a pas fini de maturer. Parce que moi, je me suis pratiquée avec mes petits-fils pour découvrir ça, là.
I bambini nascono con le ferite che sono da, che hanno scelto per venire a lavorare qui, ma nel corpo del bambino non si vedono necessariamente, perché il corpo non ha finito di crescere, non è completamente formato. Io mi sono allenata tantissimo sui miei nipotini. Parce que moi, sur mes 8 petits-fils, il y en avait seulement 3 sur 5 que je pouvais déjà voir leurs blessures là, quand ils avaient 7 ans, 8 ans, 12 ans, 15 ans, avant qu'ils deviennent adultes. Et tandis que les autres, je n'étais pas capable vraiment de voir de blessures. Fait que ça veut dire que leurs blessures étaient plus importantes. Sugli 8 nipotini che ho, solo 3 riuscivo ad identificare quali erano le loro ferite principali. Negli altri non è che venivano fuori, non era una cosa ovvia. Bene, passiamo a Amelia. Amelia domanda: quale delle 5 ferite fa ammalare il sistema immunitario? Laquelle des 5 blessures porte à tomber malade avec le système immunitaire? Ce n'est pas relié à une blessure en particulier. Non, le système immunitaire il est relié beaucoup, beaucoup avec la colère, les émotions qu'on vit. Alors c'est sûr que plus une personne a des blessures importantes, elle porte le masque, elle affecte beaucoup son système immunitaire. Fait que c'est relié à toutes les blessures. Ouais. Il sistema immunitario non è collegato con una ferita in particolare, perché il sistema immunitario è il risultato proprio di tanta rabbia, di tante emozioni che possono venire da qualsiasi ferita. Non c'è una ferita in particolare per il sistema immunitario. Allora, Alessandro okay. domanda: come si può disinnescare la ferita? Come può disamorcer la blessure? Désamorcer la blessure. On parle de ça depuis le début. Les blessures, les rejets, les blessures vont être là parce qu'on est des humains. Ce qu'on veut apprendre à faire, c'est ne plus réagir, ne plus tomber dans notre ego. E quello che diciamo dall'inizio è che le ferite ci sono, sono presenti, ma quello che noi vogliamo riuscire a fare è non cadere più nella maschera, non stare più a sentire l'ego. Questo è. C'est comme par exemple, si quelqu'un a une attitude qui m'énerve, ils ont un tic nerveux, quelque chose qui m'énerve, ben. Ça veut dire que j'essaie de le contrôler, j'essaie de dire, ben, tu sais, prends pour toi, puis arrête ça, c'est énervant. Bon, ça, je suis dans ma blessure. Mais si je peux arriver à dire qu'il continue à avoir la même attitude, mais que là, moi, ça ne m'énerve plus, là, je dis, ben, ça, c'est son habitude, il n'est pas capable d'arrêter, c'est à moi à apprendre à l'accepter. Tu sais, c'est ça, on ne peut pas arrêter les autres, on ne peut pas changer les autres. Se sto di fronte a una persona che mi dà sui nervi, che proprio non sopporto il suo modo di fare, le sue reazioni, o c'ha un tic o qualcosa, se io mi cingrugno sopra e che questa cosa mi fa vivere le emozioni e mi arrabbio, sto nel controllo, lì metto la maschera e ascolto l'ego. Se io lo guardo e semplicemente accetto e so che magari la sarà lui nella sua ferita, ma che io non vivo più emozioni, in quel momento c'è la guarigione della mia ferita. Bene, grazie Lise. Passiamo a Maria Rosa più Nadia. Ho unificato un po' la domanda di questi due partecipanti. Allora, domandano: a volte penso di averle tutte le ferite possibili. Quando in una persona si identificano più ferite, come si decide su quale lavorare prima? Marianne, posso continuare o mi fermo un attimo? Perché c'è Alors, sa première partie de la question, après il y a la suite. J'ai l'impression d'avoir toutes les blessures. Comment je fais à décider laquelle je dois commencer à guérir en premier? Et puis, il y a la suite de la question. C'è un modo per identificare la più importante? Et dans ce cas,
Il y a une façon d'identifier la blessure la plus importante. Alors là, on voit Madame Rigide qui veut tout faire à la perfection, qui a fait pas pour faire une erreur. Qui si riconosce la signora rigida che vuole fare tutto perfettino e che assolutamente non facciamo un errore. Ça marche pas comme ça quand on fait du travail sur soi. Ma non funziona così quando facciamo un lavoro su noi stessi. Toutes nos blessures sont activées. Le voisin va me faire vivre une blessure. Au travail, j'en vis un autre. À la maison, j'en vis une avec mon mari. J'en vis un autre avec ma fille. Sans arrêt, on est toujours avec toutes sortes de monde et puis toutes sortes de situations. Je peux être en train de conduire l'auto puis je commence à critiquer celui que je connais pas à côté dans l'auto à côté. C'est toujours de faire ce qu'on peut quand on peut dans toutes les circonstances. In ogni momento vengono risvegliate le ferite, perché posso avere una ferita risvegliata da mio figlio, da mio marito, dal padrone di casa, sto in macchina e comincio a criticare quello che mi sta vicino. In ogni momento le ferite possono essere risvegliate e di tutti i tipi. Bene, passiamo a Karin. Karin domanda: può approfondire un po' la ferita dell'umiliazione? Est-ce que tu peux approfondir un petit peu la blessure d'humiliation? La blessure d'humiliation, elle est différente des quatre autres dans le sens que c'est une blessure qui est vécue avec soi. Fait que si on vit quelque chose de difficile avec une autre personne, c'est jamais la blessure d'humiliation. La blessure d'humiliation, c'est la personne qui est venu sur la planète Terre pour apprendre à jouir de ses sens sans penser que c'est indigne puis qu'il y a un Dieu, là, quelque part, l'œil de Dieu ou d'une force suprême qui est toujours en train de la culpabiliser. La ferita d'umiliazione è una ferita che si vive con se stessi, non è come le altre ferite che si vivono con gli altri, questa è proprio con se stessi e chi ha la ferita d'umiliazione è venuto qui sulla terra per imparare a gioire dei propri sensi senza avere sempre quest'occhio di Dio, del controllo che gli viene e del giudizio sopra, deve proprio viverlo con se stesso ed imparare a gioire dei propri sensi. Parce qu'il ne faut pas oublier que même si une personne, disons, dans son corps, dans toute son apparence physique, on voit qu'elle a une bonne blessure d'humiliation, il faut se souvenir qu'elle a les quatre autres blessures aussi. Perché una persona che si vede palesemente che ha una bella ferita da umiliazione, bisogna ricordarsi che comunque lei ha anche le quattro altre ferite. Et puis, il faut se souvenir aussi que quand on vit quelque chose de plus difficile, il y a souvent plusieurs blessures qui sont activées en même temps. Et anche ricordarsi che ogni volta che viviamo una cosa molto difficile, ci sono tante ferite che si sono attivate nello stesso momento. Puis pour savoir laquelle qui est la plus importante, disons que, comme par exemple, quand on vit quelque chose avec quelqu'un du sexe opposé dans nos relations amoureuses, ou n'importe qui avec le sexe opposé, ben, j'ai découvert qu'on vit les quatre blessures. Rejet, injustice, abandon, trahison. Di fronte a in una situazione di coppia, per esempio, con l'altro sesso, mi sono accorta che viviamo tutte e quattro le ferite, che sono rifiuto, abbandono, ingiustizia e tradimento. Puis pour savoir laquelle qui est la plus importante dans les quatre, regardez votre première réaction, parce que c'est comme ça que vous pouvez voir dans le livre le comportement qu'on a, c'est qui va avec quelle blessure. Per identificare qual è la ferita la più importante, bisogna osservarsi e qual è la mia prima reazione. E quella è quella della prima ferita. Comme par exemple, si je vis quelque chose de difficile avec, comme une fois, j'ai vécu quelque chose avec un de mes fils. Mais ma première réaction, c'était, j'étais tellement surprise par ce qu'il m'a dit, je suis partie, je me suis en allée, puis j'ai monté chez moi dans mon bureau. C'était ma première réaction. Donc, je sais tout de suite que c'est ma blessure de rejet qui a été parce que j'ai fui. Ça, c'était un comportement du fuyant.
Mais après ça, j'ai pu voir mes trois autres blessures aussi. Per esempio, mi è successa una situazione complicata con mio figlio. Allora, ho osservato qual è stata la mia primissima reazione. Io quello che ho fatto, ho preso e me ne sono andata. Così ho potuto rendermi conto che la prima ferita che è stata attivata in quel momento è stata quella di rifiuto. Ma ovviamente dietro comunque c'erano tutte le altre, mi sono accorta dopo. Bene, grazie di questa importante risposta, Liz. Allora, continuiamo con Laura. Come aiutare il soggetto rigido, ferita in giustizia, nel riconoscere al meglio la sua ferita senza sentirsi in pericolo o smarrito? Parla della ferita da rifiuto o da ingiustizia? Rigido. Il rigido è l'ingiustizia. Ingiustizia, ferita e ingiustizia. Sì. Non ho capito la domanda, allora, scusa, abbi pazienza. Sì. Come aiutare il soggetto rigido, ferita Comment aider in giustizia? Le rigide de la blessure d'injustice? Nel riconoscere al meglio Pour mieux reconnaître la sua ferita senza sentirsi in pericolo o smarrito. Pour reconnaître sa blessure sans se sentir perdu ou en danger. Comment reconnaître sa blessure sans se sentir perdu? Oui. Comment reconnaître sa blessure sans se sentir ni perdu ni en danger dans la blessure d'injustice? Ben, quelle que soit la blessure, si on la reconnaît, c'est sûr que sur le coup, on n'aime pas ça parce que l'ego, lui, il pense toujours que c'est la faute des autres si ça ne va pas bien. Mais alors, quand tout à coup, je dis, c'est ma blessure d'injustice ce qui est à l'œuvre, puis alors là, on devrait être heureux, on devrait être content, au moins d'en être conscient, même si je ne sais pas quoi faire avec ça. Quand même, ce que je ne sais pas trop là, dans quelle direction aller, au moins si j'en suis devenu conscient, c'est déjà la moitié de fait. Intanto, se noi cominciamo a renderci conto di qual è la ferita che stiamo vivendo nel momento, già metà del lavoro è fatto, perché se noi continuiamo ad accusare gli altri e dare la responsabilità all'esterno di noi stessi, noi siamo nell'ego. Ma il semplice fatto di rendersi conto che io sto toccando una mia ferita, già questo è la via della guarigione. Je vous rappelle encore la chose importante, c'est toujours par le comportement qu'on a, notre première réaction, c'est notre façon d'agir qui nous dit dans quel masque on a porté. Parce qu'il y en a des fois qui vont dire « j'ai trouvé ça injuste », mais le comportement qu'ils ont, ils ont fui. Donc, c'est la blessure de rejet qu'ils ont vécu, même si dans leur tête, ils pensent à l'injustice, là. Tu sais, c'est le comportement qui dit quelle blessure. È importante rendersi conto qual è il comportamento che noi abbiamo in una determinata situazione, perché è quel comportamento che ci fa vedere qual è la ferita attivata, perché in una situazione di ingiustizia, se io scappo vuol dire che è attivata la ferita da rifiuto. Dunque stare molto allerti, attenti a qual è il comportamento, l'atteggiamento che io ho in una situazione. Bene, grazie di nuovo. Allora, stanno arrivando veramente tanti complimenti e tantissime domande. Io adesso continuo un pochino, ne farò le ultime due o tre, Marianne, perché ne sono arrivate tante e ne stanno sempre tanto arrivando, e però mi scuso già da ora se non riusciremo purtroppo ad accontentare tutti. Il y a énormément de questions, donc on pourra pas contenter tout le monde. Est-ce qu'on peut en prendre encore deux ou trois? Non, pas vraiment, parce que là, je viens de voir là, puis j'ai un rendez-vous dans 20 minutes, donc... Ho appena visto l'ora e mi accorgo che c'ho un appuntamento fra una ventina di minuti. Bene. Allora, gli facciamo l'ultimissima e poi passiamo al finale. Alors, la dernière question et après, on passe à la fin. Okay. Ilaria domanda, può approfondire il tema delle maschere? Est-ce que tu peux approfondir la question des masques?
On appelle ça un masque parce que s'il fallait donner un nom là, à ce comportement-là, parce que c'est comme si on n'est plus nous-mêmes. C'est un peu comme l'enfant qui se met un masque puis il pense qu'on ne le voit plus. On met un masque, on n'a plus le même visage, donc on pense que les gens voient ce nouveau visage-là. On ne veut pas se montrer tel qu'on est. Donc, c'est le masque, c'est tout simplement les comportements pour s'aider à se protéger. C'est un système de protection parce qu'on se sent trop blessé, puis on est démuni, on ne sait pas trop quoi faire. Fait qu'on porte un masque, mais pendant ce temps-là, il n'y a rien qui est géré, là. La maschera è un sistema di protezione che mettiamo in atto e quando il dolore è forte noi mettiamo la maschera, ma come un bambino che si mette la maschera e pensa che nessuno lo riconosce e noi ci illudiamo che con questa maschera la gente non si rende conto e ci comportiamo in un altro modo, però siamo sempre noi dietro questa maschera. Bene. Allora, voglio dire che tante persone hanno fatto i complimenti a Liz, alla serata, a tutto, ma soprattutto anche dicono, soprattutto Marlizia, se pronuncio bene il suo nome, voglio farvi veramente i complimenti per la traduzione. Ho seguito altre dirette, ma è la prima così chiara. Grazie Marianne. Alors, merci beaucoup de remerciements pour ce beau webinaire et merci aussi à la traduction. Marianne, gli ultimi 5 minuti, ok? Finiamo un attimo la conclusione, va bene Liz? La conclusion, 5 minutes, c'est ok? Qui, moi, je fais une conclusion? Non, la fai tu la conclusione? Sì, sì. Allora, tu mi sei tenuto la fela per le libri. Ok, voglio far vedere a Liz che abbiamo, in questa slide ci sono tutti i contatti che prima ci chiedevano dove possiamo contattare Liz, così aggiorniamo Liz. No. Quand tu étais déconnecté, on a montré donc cette slide avec les indications et beaucoup de gens demandent quand est-ce que Liz va venir en Italie? Alors, j'ai dit que pour l'instant, il n'y avait rien de prévu, mais sait-on jamais parce que tu es déjà venu plusieurs fois à Turin, à Rimini, enfin, et plein de villes, Rome. Al Giardino dei Libri. Au Giardino dei Libri. Oui, je me sens encore en forme pour voyager, oui. Mi sento ancora in forma per viaggiare. Grande. Allora, io prima di proseguire voglio ringraziare veramente di cuore Liz perché ha dato una possibilità a me di ascoltarla e veramente ha arricchito la serata a tutti i partecipanti. Grazie veramente di cuore. Ora voglio passare un attimo a delle altre slide. Che praticamente abbiamo una slide con il regalo che vi dicevo che abbiamo messo proprio grazie all'edizione Ambrita a chi acquista uno dei due libri o le 5 ferite e come guarire il volume 1 e il volume 2 abbiamo due libri in omaggio a scelta. Uno è Cancro, un libro da speranza e l'altro è Sono Dio Caspita. Abbiamo un link che le ragazze forse adesso vi stanno mettendo nella chat dove questa sera fino a domani chi acquista un libro di Louise Bourbeau abbiamo questi due omaggi a scelta da farvi diciamo omaggiare e questo grazie a Lisa, l'edizione Ambrita e vi ringrazio veramente di cuore per questo e vi ricordo che questi due omaggi sono sempre di Liz, per cui chi acquista un libro di Liz delle 5 ferite ha diritto a scegliere il suo regalo uno di questi due libri. Bene, allora siamo veramente in fase di conclusione, voglio ricordare al volo il prossimo webinar e avremo in collegamento Pierluca Zizzi con Geometria Sacra, simboli di potere per capire e usare le geometrie sacre con tecniche di trasmissione delle loro energie. Poi abbiamo una slide per quanto riguarda chi vuole lasciare un messaggio sulla nostra pagina Facebook oppure quando vi arriva domani la mail della registrazione di questa sera e vuoi rivederla
Che ne so, magari ti sei perso un pezzo, vuoi rivedere qualcosa o semplicemente vuoi approfondire l'argomento, potete scrivere i vostri commenti già da domani sotto la mail che riceverete. Se vi è piaciuta la serata, un complimento, una critica o semplicemente un saluto. Ci fa molto piacere leggervi e ricordatevi che potete vedere tutti i nostri webinar precedenti nella nostra sezione webinar del Giardino dei Libri e pensate che ad oggi sono stati visti complessivamente 145.501 volte. Chissà, voi li avete visti? Scriveteci se avete visto anche i nostri vecchi precedenti webinar perché ripeto che noi li facciamo dal 2017. Bene, i vostri feedback per me e per il mio staff sono veramente preziosi perché ci aiutano a capire se abbiamo fatto bene il nostro lavoro e se possiamo migliorare. Che dire, Lise, un bacione, Marianne, salutami veramente di cuore tutti, un abbraccio grande a Lise. Il bello della diretta l'abbiamo superato, io sono molto contenta e vi saluto. Buonasera a tutti, grazie Au Lise. revoir Lise, merci pour tout et plein de compliments. Et puis bon, ils recevront les commentaires. Au revoir. Au revoir.